Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Mar Arabi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité avec nos invités. Nous allons passer donc cette cinquantaine de minutes ensemble et nous allons revenir sur cette actualité en cette date. Le titre de l'émission, 22 février 2019, 22 février 2023. 4 ans de Hirak. Nous allons donc avec nos invités revenir sur ce mouvement, cette révolution, ce qu'on appelle aujourd'hui Hirak, un mot qui est connu à l'international, qui est longuement repris par les analystes, les observateurs, par des hommes et des femmes politiques venus de tout pays, notamment pour évoquer cette révolution, cette signature qui est unique aux Algériens et aux Algériennes, une révolution qui a vu le jour donc en février 2019. C'était le trop-plein, ce 9 février 2019 à la coupole, donc Abdelaziz Bouteflika qui est annoncé pour un cinquième mandat. Il fera une entrée en fin de meeting, pas en fauteuil roulant, pas en visio, mais à travers un cadre. C'est la goutte certainement qui a fait déborder le vase. Comme on dit, les Algériens ont été meurtris, trahis dans leur respect, dans leur dignité. C'était de trop. Vous, on connaît l'histoire et on en parle ce soir, puisque quelques heures après, le Hirak a vu ses débuts dans plusieurs villes d'Alger, Bourj, Khairata, Khenchra, et puis Alger, et puis Paris, et puis le Hirak qui continue. Voilà, vous avez ces quelques images à l'écran qui nous rappellent des souvenirs. On va revenir donc sur la genèse de cette révolution, dans quel environnement, comment le Hirak a-t-il été à commencer, comment a-t-il débuté, mais aussi ce qu'il a pu subir au départ. D'abord dans les deux sens, on se souvient au départ que le pouvoir avait tenté déjà de négocier, parfois des menaces plus ou moins agréables et un peu plus ou moins directes de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. On avait même tenté de proposer aux Algériens, si vous vous en souvenez bien, une année de mandat supplémentaire pour Abdelaziz Bouteflika, peut-être pour essayer de tenter de négocier avec le peuple. Le peuple a dit non, pas de cinquième mandat et même pas d'élection présidentielle, puisque avant d'arriver au 12-12-2019, les élections ont été reportées à trois reprises. Et nous allons donc essayer d'évoquer avec nos invités qui sont sur ce plateau, qu'est-ce que le Hirak est pour eux, comment en est-il là aujourd'hui et peut-être quelques perspectives, même si je vous le rappelle, tout au long de cette semaine jusqu'à dimanche soir, nos émissions sont consacrées El Mar Arabia, comme le fait depuis le départ avec vous et aussi grâce à vous, grâce aux équipes, consacre du temps à cette révolution, donc à ces Algériens et ces Algériennes qui, quelque part, ont aussi besoin à notre humble niveau de notre soutien. Sur le plateau, Brahim Younsi, quel plaisir de vous retrouver, analyste politique et cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir Brahim. Bonsoir Chaban. Je dis par anticipation, bonsoir à mon ami Idir. Analyste politique Idir Unurun, bonsoir Idir. Bonsoir Monsieur Kassi, merci pour votre invitation. Je salue Brahim évidemment. Je passe un grand bonjour à Monsieur Ahmed Doran qui est un fan de l'émission, un fan de Microscope. Je tenais à lui transmettre l'amitié de toute l'équipe. Merci. On lui transmet aussi nos salutations. Ah ben c'est ce que j'ai dit. Merci infiniment. Et qui dit Microscope, on salue bien évidemment. Jamel Din, que vous retrouvez tout à l'heure, juste après l'émission, pour l'édito. Karim Naitou Slima nous rejoindra pour une poignée de minutes. Il fallait l'avoir ce soir pour revenir sur cette révolution. Voilà un peu le programme pour ce soir. Et si ensemble on visionnait ces quelques images, c'était pas en 2019 mais en 2021, et déjà en 2021, bien après la pandémie, bien après que Alger soit fermé.
Voilà, on prendra quelques petites secondes tout à l'heure pour revivre quelques moments, notamment on réécoutera ce slogan qui est aussi, il y a le pacifisme, mais aussi ce slogan qui signe cette révolution Daoula, Madaniya, Machi, Askariya, un état civil et non militaire. Brahim Younsi, dire Ounouron, d'abord deux minutes chacun, si je vous dis 22 février 2019, Idir Ounouron, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, pour moi, le 22 février, tout en rendant hommage aussi aux citoyens de Kharata et de Khanchla, particulièrement, qui ont sonné le départ du Hirak, pour moi, c'est un acte fondateur de la citoyenneté, quelque part. Le deuxième élément, c'est que l'ensemble du peuple algérien et l'ensemble des corps intermédiaires ne trouvaient pas d'espace de liberté, et c'est dans la rue que se sont exercées les libertés, la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté d'exister. Ce Hirak, pour moi, au-delà qu'on ait dit bien après que c'était une idée, que les idées ne mourraient jamais, mais pour moi c'est devenu aujourd'hui une conscience qui doit agiter tout le peuple algérien, entre autres. Il y a eu des acquis pour le Hirak, et il y a eu, je ne parlerai pas d'échecs, mais il y a eu des insuccès. Il y a eu des acquis dans le sens où le cinquième mandat n'a pas pu se réaliser, il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu... Et puis un peuple qui s'est dit à un moment donné, je m'exprime, je sors, enfin j'y vais. C'est un acquis fondamental en Algérie, quand on sait que pendant des années, il était impossible de manifester. Il y a eu l'échec du clan Bouteflika d'instaurer le demi-mandat, comme on l'a appelé, cette histoire de transition qui aurait duré 2 ans afin de préparer l'ensemble de la société à se réémerger. Et puis on l'a compris a posteriori, et d'autres l'ont compris avant, c'est que le commandement militaire n'a aucune envie d'ouvrir le système. Et ça, on est en face de cette contradiction-là. Et à partir de ce moment-là, donc il n'y a pas de volonté de démocratisation. Il y a eu quelques personnalités politiques qui attendaient vainement un signal fort d'ouverture qui ne s'est pas produit. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse réformer de l'intérieur le système. Franchement, on devrait passer la notion de révolution, on va en parler. La notion de rupture aussi, on va en parler. Voilà. Brahim Younsi, alors bien sûr, quand on dit le 22 février, c'est cette date qui est ancrée, mais ça a commencé quelques heures, quelques jours avant. Et puis ce soir même avec vous, juste après, on évoquera tout de même un point d'histoire, hein, parce que si peut-être il y a, mais ça sera vraiment la deuxième question dans un deuxième temps, si ce 22 février, les Algériens sont sortis, c'est peut-être aussi que c'est dans les gènes des Algériens et des Algériennes. Enfin, c'est pas arrivé comme ceci. Alors, si je vous dis 22 février 2019, Brahim Younsi, vous me dites. D'abord, moi je n'aime pas le mot Hirak. Je dois le dire, je n'aime pas le mot Hirak. Voilà. Alors, Hirak qui veut dire mouvement. Qu'est-ce que vous préférez, révolution? C'est une révolution indéniablement, en dépit de ce que disent certains. Mais le 22 février 2019, indéniablement, il a ouvert une ère nouvelle. Nous sommes dans une ère nouvelle du politique en Algérie et une ère de construction. On ne voit pas cette construction-là, bien évidemment, aujourd'hui. Mais il y a une réelle construction, un réel échafaudage fondé sur les réalités matérielles, les réalités spirituelles, les réalités culturelles de l'Algérie. Et je crois que cette révolution a pris ce chemin des réalités, des diverses réalités de l'Algérie. Mais aussi, il y a une prise de conscience, et je reprends le mot de mon ami Idir, une prise de conscience de l'État, pas avec un E majuscule, de l'état, de la situation dans laquelle l'état de délabrement, l'état de délabrement du politique, l'état de délabrement de l'économique. C'est que ce peuple est sorti parce que, aussi, l'Algérie est dans un état de délabrement tel qu'il veut absolument construire quelque chose de nouveau. Je ne crois pas, j'entends ici et là, que cette révolution aurait échoué.
Mais cela, elle n'est pas, de fait, elle n'a pas échoué, puisqu'elle elle n'est pas terminée. Enfin, limite même, elle ne fait que commencer. C'est exactement cela. Elle est en reflux. Voilà. Mmh. C'est exactement cela. Est-ce que le pouvoir a été surpris? Je voudrais, après, avec vous, qu'on évoque, et puis vous êtes bien placé avec vos expériences, vos analyses, vos compétences, qu'on évoque aussi le comportement du pouvoir. Derrière, est-ce qu'il a été surpris, ce pouvoir, à l'époque? Il avait un peuple qui suivait un peu. Il y avait l'achat de cette paix sociale, ce qu'a instauré Bouteflika avec quatre mandats, voire même un cinquième mandat qu'il aurait peut-être pensé imposer et faire passer naturellement. Il a été surpris par son peuple. Cela dément, me semble-t-il, que l'on puisse acheter la paix sociale. C'est au moment où il y avait une redistribution dans le pays, parce que, faut le dire, il y a eu bien sûr de la prédation, beaucoup de prédation, mais il y a eu de la redistribution, qu'on le veuille ou non. On redistribuait à la population. C'est une vérité qu'on ne peut pas taire. Et néanmoins, le peuple sort dans la rue. Alors que le prix du pétrole commençait, il faut le dire, à chuter, à tomber. Mais il y a eu redistribution sous le... Mais cette révolution se situe sur un plan strictement politique. Il n'était ni social, ni économique. Et c'est là où, je crois, le parachèvement de ce qu'on pourrait appeler la révolution, de cette conscience collective, en fait, de volonté véritable de changement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de conjonction entre les forces saines, tous les corps intermédiaires. Et n'oubliez pas une chose, il y avait une rythmique qui caractérisait la Hirak, c'était le vendredi, le dimanche pour la diaspora et le mardi pour les étudiants. On en parlait donc, hier, effectivement. Donc, la jonction entre l'enthousiasme des étudiants qui aspiraient à l'exercice de leur liberté pleine et entière, le problème politique qui se posait avec la crise des institutions, la crise morale, la crise économique qui pointait son bras, mais le fait... Au niveau de la redistribution, Brahim, j'ai peut-être un léger désaccord avec toi, la redistribution ne s'est pas faite correctement. Pour preuve, le mouvement des chômeurs du Sud. Il y a eu, peut-être que dans le Nord, on a vu, et puis ce système a favorisé l'émergence d'une bourgeoisie comprador, qui s'est adossée à une oligarchie militaire corrompue. Pour preuve, c'est que nous avons au moins une trentaine, une quarantaine de généraux pour faits de corruption grave et crise de moralité, et etc., etc. Donc c'est dans cet espace-là que le peuple algérien, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez très bien fait de le souligner, le peuple algérien qui est sorti, ne c'est pas une génération spontanée. Il a fallu des événements qui se sont déroulés. On va en parler juste derrière. Juste une minute là-dessus. Est-ce que le Ahmed Gaïd Salah, à l'époque, était chef d'état-major? Alors on peut parler de Saïd Bouteflika parce qu'on connaissait l'état de santé de l'ancien chef d'État. Ils ont été surpris quelque part de voir à un moment donné ce portrait de Bouteflika descendre et puis ces millions de gens. Est-ce qu'ils ont été surpris? C'est des choses qui sont imprévisibles et c'est clair que le pouvoir a été surpris d'une certaine manière. J'en suis certain que le pouvoir ne pouvait pas prévoir un tel mouvement. Il savait, de cette ampleur. D'une telle ampleur. Il savait qu'il y avait un ras-le-bol général, mais il ne pensait pas qu'il allait être de cette ampleur-là. Mm-hmm. Et on le voit encore aujourd'hui. Mm-hmm. On pense que le pouvoir s'est bien installé. Il aurait remporté la partie. Cela est faux. Parce que d'abord, le pouvoir de façon générale est en train, permettez-moi l'expression, est en train de rouiller dans les bureaux. L'exemple, c'est Tebboune. Il ne sort pas de l'Mouradia. Il est en train de rouiller. Ensuite, ce pouvoir, à l'évidence, on l'a vu quand ils ont organisé des élections, que ce soit les législatives ou la présidentielle, qu'il n'a pas l'électorat de son action, de son pouvoir. C'est dire que ce pouvoir est infiniment minoritaire dans le pays et n'a pas l'électorat pour son action ou de son action. Ce pouvoir d'abord qui est frappé d'illégitimité, Brahim l'a évoqué là, vraiment...
en survolant la chose, c'est qu'il n'a pas de légitimité. Le 12-12 a été un échec, le référendum sur le 1er novembre a été un échec, les législatives aussi, les communales et les élections wilayales sont dû scorer vers 30% et encore en gonflant les chiffres. Mais le pouvoir a essayé pour endiguer ce mouvement de masse. Parce qu'on recherchait quoi à l'époque? On recherchait... beaucoup de gens parmi nous disaient oui, mais c'est trop festif, c'est pas très politique, on sort juste pour manifester, puis on rentre à la maison, etc., etc. Mais n'oubliez pas que le pouvoir n'est pas resté inactif. Pour preuve, il a voulu dresser des Algériens contre d'autres Algériens en parlant de l'emblème Amazigh. Et il y a eu l'opération Zéro Kabyle qui a été filmée, qui a été Zéro Kabyle. On a voulu dresser toute une région contre l'ensemble du pays. La récupération. On a instrumentalisé de manière idéologique, et je trouve ça d'une excusez-moi, c'est important ce que je dis, je trouve ça d'une irresponsabilité. C'est le fameux concept de Badissia Novembria contre la Soubam ou contre tous les congrès qui ont eu. Et ça, c'était pour diviser gravement le pays. Par rapport à ça aussi, et par rapport aussi où la crise économique se faisait encore sentir, et que la société était en perte de repères. Et je pense que le peuple du Hirak est sorti. Il est sorti aussi pour des raisons morales, parce que la corruption qui était devenue endémique, toute la société était en laissé pour compte, et des tas de familles passaient d'une espèce de classe moyenne à peine jusqu' vers la précarité. C'est pour ça qu'on disait sur les plateaux, on a dit l'explosion peut arriver si à la conjonction entre la crise politique aiguë, la crise économique, ajoutée aussi à la vitalité des étudiants, bon, ça risquait de finir en autre boudin, comme on dit. En tout cas, on va approfondir ce point-là avec vous deux. On écoutera tout à l'heure aussi une petite minute le président Abdelmadjid Tebboune qui a d'ailleurs, c'est dans la Constitution. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en ce 22 février, on n'entend rien, pas de commémoration, pas d'hommage, pas de médias, rien de spécial en Algérie, alors que, je le cite et on l'écoutera tout à l'heure, que dans une interview, président Tebboune a dit clairement que le Hirak, donc Moubarak, béni, a sauvé l'Algérie d'une catastrophe imminente, et c'est une journée, 22 février, qui est dans la Constitution, sauf qu'aujourd'hui, en fait, apparemment, tout est fait pour étouffer cette date et certainement la faire sortir des consciences des Algériens, des Algériennes. On se pose la question juste derrière. Karima Anaïti Suleiman, il était important de vous avoir. Brahim Younsi et Idir Ounouron sont aussi très heureux de vous avoir parmi nous. Bonsoir Chaben, un grand salut à mes amis d'Abrahim et d'Aïdir. Un grand salut aussi à tous les Algériens et Algériennes qui nous écoutent en Algérie ou à travers le monde. Merci d'être avec nous. On va vous garder quelques petites minutes. Merci vraiment de vous avoir libéré. Vous étiez d'abord encore dimanche à la marche à Paris. Vous ne lâchez pas. Si je vous dis pareil, 22 février 2019, qu'est-ce que ça vous évoque? Comment ce peuple algérien qui peut-être a été conditionné, peut-être enfermé pendant des années dans un certain système, à ne pas s'exprimer, à ne pas sortir, à ne rien dire pour plein de raisons. Ce jour-là, en tout cas, il était présent et l'aventure, cette révolution continue encore aujourd'hui. Écoutez, le 22 février 2019, c'est tout simplement le plus grand événement politique de l'Algérie depuis 1962. C'est un événement qui a consacré un ensemble de valeurs sur lesquelles les Algériens pourront continuer de travailler pour construire l'Algérie algérienne. Je citerai deux éléments majeurs qui sont l'unité nationale que le Hirak a véritablement et profondément ancrée dans l'espace de la nation, qui est beaucoup plus grande que celui de l'État. Et je pense que mon ami d'Abrahim sera d'accord avec moi sur ça. On a eu plusieurs fois des échanges sur ça. Et je pense que le deuxième élément, en plus de l'unité nationale, je pense aussi que le Hirak a posé le principe du dépassement de la polarisation politique, de la polarisation idéologique entre les islamistes et les laïcs
sur laquelle ce système mafieux, ce régime mafieux a joué et continue de jouer depuis l'indépendance. Donc là, on a les deux éléments majeurs, c'est-à-dire l'unité nationale, le dépassement de la polarisation idéologique pour aller de l'avant avec, bien sûr, la méthodologie du changement politique que le Hirak a aussi posé, qui est la Silmiya, c'est-à-dire une transition pacifique pour justement sauver la nation et sauvegarder l'État. Parce que je le dis encore une fois, la mission du Hirak est historique parce que le défi est très grand. C'est changer le système, sauver la nation, sauver l'Algérie, tout en sauvegardant l'État. Et c'est ça le défi. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, la rue s'est retirée, bien sûr, parce qu'il y a eu Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais aussi parce que les Algériens ont compris l'étendue de l'irresponsabilité de ceux qui tiennent le pouvoir actuellement, et qu'ils ont compris aussi que ceux qui tiennent actuellement le pouvoir n'hésiteront pas à mettre l'Algérie à feu et à sang pour sauver leur place, pour rester au pouvoir, comme ça a été le cas par exemple en Syrie ou dans d'autres pays. Et donc, les Algériens pour l'instant se sont retirés de l'espace public pour ne pas aller à la confrontation directe avec les appareils de l'État qui sont les appareils des Algériens. Mais avec le temps, et c'est sur ça que je compte personnellement, avec le temps, les Algériens vont reprendre la rue parce qu'ils sont actuellement non pas dans la soumission, mais dans la résistance digne. Les Algériens vont reprendre la rue avec les principes du Hirak, c'est-à-dire la Silmiya, c'est-à-dire l'unité nationale et le dépassement de la polarisation idéologique pour dégager et faire dégager définitivement la mafia qui tient l'Algérie actuellement. Parce qu'on le voit actuellement, on le voit. Tous les Algériens sont victimes de ce système. Il y a des Algériens en prison, il y a des Algériens en exil, il y a des Algériens en fuite, il y a des Algériens qui sont sous tension, même ceux qui ne sont pas à l'intérieur des cellules de la prison. Ils sont dans ce que les Algériens appellent actuellement la grande prison. Alors justement, en parlant... La plus grande prison au monde. En parlant de cette... Nous devons continuer de résister et de garder espoir. En parlant de cette prison à ciel ouvert, comme plusieurs militants l'évoquent, des observateurs, d'ailleurs algériens ou non, des analystes, ce Hirak, dès le départ, a peut-être, c'est une question que je vous pose à tous les trois, d'ailleurs, a tenté d'être récupéré. On disait à l'instant que le pouvoir a été surpris, ne s'attendait pas à ce que son peuple, qu'il connaît très peu d'ailleurs, à mon sens, sorte comme ça en milieu. Mais très rapidement, d'abord, il y a eu ces pseudo-menaces peut-être, enfin je vous laisse peut-être les définir, d'Ahmed Gaïd Salah, qui parfois jouait au chat et à la souris aussi avec la marche des étudiants en intervenant juste derrière, la réponse du Hirak le vendredi, puis il y a le président Tebboune, qui a dit clairement Hirak Moubarak en mettant cette grande journée dans la Constitution. Il y a tout de même une tentative de récupération par les médias, par le président, et puis à la fois, il y a juste derrière, rapidement, ces répressions des étudiants, des journalistes, des hommes, des femmes politiques. Tout à fait. Ce que vous avez dit, c'est si vous me permettez de reprendre encore la parole, ce sont tout simplement les batailles. C'est pour ça qu'il faut garder l'espoir. Ce sont les batailles perdues de ce système. Parce que ce système a tenté deux grandes manipulations. La première, c'était de faire croire que le Hirak était dirigé par ce que lui-même appelait les Zouaves, c'est-à-dire en jouant sur le régionalisme pour toujours accuser la Kabylie. Ça a échoué parce que le système voulait à l'époque isoler la Kabylie, et finalement c'était l'Algérie qui s'était kabylisée d'un point de vue politique, c'est-à-dire les revendications qui étaient à un certain moment, les revendications politiques et l'opposition radicale qui était à un certain moment dans la région kabyle, maintenant a été étendue à toute l'Algérie grâce au Hirak et grâce au principe du Hirak, et toute l'Algérie a compris que la Kabylie ne s'est jamais battue pour elle-même, mais elle s'était battue pour toute l'Algérie. Donc ça, c'était la première bataille perdue du système. La deuxième, et actuellement, grâce à cette victoire du Hirak, les Algériens sont plus unis que jamais.
Et la deuxième bataille perdue par le système, c'était celle de la tentative qu'ils avaient fait de jouer sur la polarisation idéologique entre les islamistes et les laïcs, en faisant croire que le Hirak était manipulé par la Chad et par le MAC. Et finalement, tous les Algériens se sont rendus compte que ni la Chad, ni le MAC, ni aucun autre mouvement n'a d'emprise sur le peuple algérien. Le Hirak était un mouvement issu du fond de l'Algérie, c'est un mouvement qui a représenté tous les Algériens. Et la rue a répondu par le slogan, le fameux slogan « Mekan Islami, Mekan Ilmani, Kayin al-Isaba, Tisrat Ainani ». C'est-à-dire qu'il n'y a ni islamiste ni laïque, il y a une mafia qui est au pouvoir et de laquelle il faut se débarrasser pour sauver l'Algérie. Karim, c'est la deuxième bataille perdue du système. Ouais, je vous en prie. Voilà. Et c'est pour ça qu'actuellement, c'est vrai que c'est très dur. Nous vivons, en tant qu'Algériens, des moments très, très durs. Mais il faut garder l'espoir. Parce que je vais vous dire, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie indépendante, depuis 62, nous avons dans le même bord le RCD, le FIS, le parti de Zoubida Assoul, le parti de Fethi Gerrès, la base du FSS, tous les mouvements politiques un peu crédibles en Algérie sont dans l'opposition radicale. Ils sont dans l'opposition radicale. Ce système n'a plus de partenaires. Il est complètement discrédité à l'échelle nationale et à l'international aussi. C'est pour ça qu'il faut continuer de résister, de continuer le travail de conscientisation et de formation politique à destination de toute la population algérienne et de préparer la rue pour le grand retour. Parce que les Algériens vont revendiquer leur demande de l'État. Depuis 62, les Algériens ont formulé une demande pour avoir un État de droit. Ça n'a jamais été satisfait. Merci. Et les Algériens n'auront de cesse de la revendiquer à chaque fois. Merci, cher Karim Naitou Slimane. J'espère qu'on pourra se rencontrer tout au long de ce week-end, puisque on consacrera tout un week-end samedi et dimanche, bien sûr, il y a jeudi, il y a vendredi, avec encore plus de programmes. Merci Karim Naitou Slimane, analyste politique, écrivain. Merci d'avoir été avec nous. Les Hirak, c'est les Algériens, la famille, les Algériennes, les étudiants, les universitaires, la jeunesse, et ce sont aussi les femmes qui, certainement, ont signé la longévité et le pacifisme de ce Hirak. On leur rend hommage avec ces quelques images. De retour sur le plateau de Microscope avec Idir Ounouren et Ibrahim Younsi. Messieurs, une question à tous les deux. Je voudrais qu'on parle de ce démarrage, mais de ce contrôle, c'est la place du pouvoir algérien à l'époque. C'est très ambigu et la question que j'ai envie de vous poser, à quoi il joue ce pouvoir aujourd'hui? Le président Tebboune est en place depuis 3 ans. Il a dit clairement Hirak Moubarak, c'est entré dans la Constitution. On est le 22 février, on n'entend rien. Alors, est-ce que fut un moment, je récupère et c'est mon Hirak et je suis avec vous? Et est-ce qu'aujourd'hui, une question qui se pose, est-ce que le pouvoir n'a pas envie en fait d'étouffer, d'effacer cette période, cette révolution dont vous parliez, dans des mœurs de l'histoire de l'Algérie? Tebboune, en parlant comme il parle, passez-moi l'expression, il fait de la pataphysique, c'est-à-dire cette science des images imaginaires ou de l'imaginaire. C'est dire que Tebboune ne connaît pas sa société. À quoi joue le pouvoir? D'abord parce qu'il a échoué là-dessus. Il joue en ce moment le temps de l'incertitude. Il veut absolument que la population soit incertaine.
doutent de ses capacités. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'imposer ou de tenter d'imposer un temps d'incertitude. Or que le peuple sortira à un moment ou à un autre de nouveau, parce qu'il y a crise, une crise politique très sérieuse, on en parle constamment. Et dans cette situation, dans cette configuration dans laquelle nous sommes, vous avez, le pouvoir n'a pas réussi à détruire ou à réduire ce que l'on appelle le champ des possibles. Le champ des possibles est toujours possible. Il n'a pas non plus rétréci ou détruit, et Karim en a parlé, ce que l'on appelle l'espace des raisons. Mais vous avez, autour de lui, il a récupéré certains, et il joue sur ce que l'on appelle, ce que les économistes appellent, la contribution d'équilibre. Et même dans cette contribution d'équilibre, il a échoué, parce qu'il n'a pas récupéré beaucoup de gens. Et si vous me permettez, je prends juste un mot de Bertrand de Jouvenel, qui dit que le pouvoir a échoué son envahissement de la société. Et le pouvoir n'a pas réussi. Il n'a plus d'emprise aussi. Eh oui, mais justement, il n'envahit pas la société. Il n'a aucune emprise. Mais il voulait envahir la société. Et c'est un échec patent. Midir Ounouron, pareil, un mot sur cette période de manipulation. Karim El Toussmel parlait aussi à un moment donné des zouaves. On a vu derrière, notamment dans le cadre de cette catastrophe naturelle, du drame des feux, que l'Algérie était unie, etc. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir, on avait tous l'impression, et beaucoup de vos animateurs ici qui passent sur les plateaux, pas simplement sur cette télévision, mais sur d'autres aussi, qui disaient non, le pouvoir est agonisant, il est fini. Mais je pense qu'on se gargarise de mots. Le pouvoir est encore très fort. Faut pas l'oublier. Le pouvoir ne peut pas autoriser toute démarche qui serait autonome, qui ne serait pas dans le périmètre que lui-même aurait dicté. Ça, c'est le premier élément. Pour exemple, regardez quand le pacte de l'Alliance démocratique s'est créé. On prend un exemple comme le FFS. Dans l'histoire politique du FFS, jamais le FFS, et je parle, Brahim les a bien connus aussi, n'a eu de stratégie d'alliance. Hein, à part le contrat de Saint-Égidio, excuse-moi, c'est un contrat. Et avec nous. Avec Benkelar en 1985. Oui. On est d'accord, on a tellement parlé. Mais cette fois-ci, sous la présidence de Halil Askri, à qui je rends hommage, il a inscrit le FFS dans une... Qu'a fait le pouvoir? Il a discrédité l'ensemble des composantes et des personnalités politiques qui convergeaient vers le PAD. Monsieur Mohsin Belabès avait des ennuis de justice, Madame Zoubida Assoul, Karim Tabou. Non, Karim Tabou n'était pas parti du PAD. Comment s'appelle-t-il? Il est sorti en tout cas, il a été aussi... Le premier secrétaire du PST, Fethi Arras, et beaucoup d'autres. Donc c'était une manière de les isoler parce qu'ils avaient peur que ça prenne. Il y a eu un débat. Est-ce que les partis politiques sont encore crédibles? Pourquoi n'ont pas pu incarner le Hirak? Monsieur Karim, moi je suis en désaccord avec lui, avec Karim, quand il dit que la rue reprendra. La rue est un moyen. La rue n'est pas un projet, c'est un moyen. Le Hirak, comment maintenant, aujourd'hui, passer de la stratégie, finalement, de la revendication et de la tension à ce que j'appellerais, moi, la stratégie de la représentation et de la construction d'une alternative crédible qui serait audible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Là, je déflore un peu de l'infrapolitique. Ce passage à la phase adulte du Hirak qui nécessite beaucoup de choses. Beaucoup diront, certains parlaient de préalable. Rappelez-vous, c'est pas rien, hein, entre les islamistes et double rupture qui s'est passée à Paris. Les préalables, c'est quoi? Si l'ensemble des forces politiques du pays s'engageaient dans ce que j'appelle moi le nouveau pacte politique, autour de valeurs, sur un socle de valeurs, qui serait la citoyenneté, l'égalité homme-femme, la sécularisation, beaucoup de valeurs, là j'en dis quelques-unes. À ce moment-là, ceux qui s'inscriraient dans cette démarche-là viendraient, les autres constitueraient une alternative à ce
à ce projet. C'est à ce moment-là que nous pourrons véritablement, en revisitant la nation, et quand il dit, je pense que Kalim disait, il ne faut pas attendre l'État. Quand on aura revisité la nation, qu'on lui aurait donné toute sa dimension de ce qu'il a fondé réellement, historiquement, anthropologiquement, et par tout le parcours, parce que notre histoire elle vient du tréfonds des âges, à ce moment-là se posera le problème de l'État. Et quand la nation sera définie, on rendra l'État à la nation à ce moment-là. Mais l'incarnation du Hirak, pour moi, le Hirak a péché par manque d'incarnation. Parce que s'il y avait eu de l'incarnation un petit peu, pas une structuration organique idéologique, je parlais de socle de valeur, du nouveau pacte politique national. À ce moment-là, on aurait pu avoir en son sein ce qu'on pourrait appeler les médiateurs entre l'incarnation et le pouvoir militaire, et l'incarnation du commandement militaire. Et on aurait pu avoir, à l'intérieur de ce mouvement-là, alors, les médiateurs. Je vous suis dans les propositions de solutions, mais c'est pas trop tard, c'est peut-être même le bon moment. C'est peut-être même le bon moment, il fallait peut-être passer par cette phase, mais revenons peut-être avant. Le 7 bis est passé par là, l'article 30, alinéa 4 est passé par là. Justement, aussi. Comment aujourd'hui, parce qu'avant la fin d'émission, je voudrais évoquer avec vous quelques perspectives. Mais alors j'évoquais tout à l'heure effectivement Tabou qui n'en faisait pas partie, et c'est vrai, mais en tout cas c'est une période où les partis ont été intimidés, des congrès, des partis, des représentants politiques et militants ont passé énormément de temps pour certains en prison, les réseaux sociaux, donc on a fait comprendre tout de même aux Algériens, aux Algériennes, ne vous exprimez pas, voilà ce qui arrive, on a des cas précis. Comment aujourd'hui cette révolution, ce Hirak, parce que vous employez beaucoup ce mot, en tout cas ce mouvement, ça équilibre les choses, mais en tout cas ces Algériens qui ont envie, sont assoiffés de parler, de s'exprimer, de sortir, de faire changer les choses. Aujourd'hui, comment, selon vous, ils doivent tout de même s'équilibrer, peut-être se positionner par rapport à ce pouvoir, effectivement, qui est tout de même présent. Vas-y, vas-y. La première des choses, c'est que cette révolution, ou ceux qui ont vocation à la représenter. Non, il n'y a... Un mot important à la représentation. Hein. Oui. Ah oui, c'est il n'y a... C'est l'incarnation. Aucune conjonction possible avec le pouvoir. Aucune conjonction possible. Si on part du principe, c'est une révolution. Hein. Oui. D'accord. Oui. Aucune c'est conjonction pas une réforme. Possible. Non, j'entends bien. C'est une révolution. Voilà. Ça, il doit y avoir révolution. Il n'y a aucune conjonction possible avec le pouvoir. Je reviens à ce qu'a dit mon ami Idir sur les projets, sur les rassemblements d'idées. Et je crois que c'est important. C'est important. Mais le pouvoir voulant absolument détruire le champ des possibles dans le cadre de son opposition, et qui est large, très très large, il y a un fait qui m'a interpellé et qui prouverait quelque part que le pouvoir non seulement n'a pas cassé le champ des possibles, ni l'espace des raisons, c'est-à-dire la démocratie, c'est la réaction de Ali Belhadj, je ne parle presque jamais des individus, à l'arrestation, non, mais au problème d'Amir Abouraoui. Mm-hmm. C'est exceptionnel. C'est dire que ils sont aux antipodes idéologiques et politiques, et une réaction de quelqu'un qui était, mais il faut le dire... D'ailleurs, c'est important parce qu'il y a très peu de partis et très peu de personnalités tout de même politiques, figures emblématiques, qui ont tout de même réagi. Vous faites bien de souligner. Oui, je vous laisse finir. Cette réaction est importante. Bien sûr. Importante de mon point de vue. Ce n'est pas le fait que ça soit Ali Belhadj. C'est deux entités différentes. Totalement. Sur le plan idéologique, etc. Et le fait que... Ça fait partie de la définition d'une démocratie aussi. Champ du possible. Bien sûr, oui, il faut toujours, à mon sens, moi je parle comme cela. Le champ du possible est toujours possible. Et il faut absolument préserver l'espace des raisons. Voilà. Et à un moment donné,
Hier, on a parlé sur la place de la République, justement parce qu'il y avait comment tu les as appelés ceux qui intervenaient des forains. Hein? Non, sur la place de la République, ceux qui s'étaient venus perturber des perturbateurs c'est de cet ordre-là. Bon, pour moi, c'est des perturbateurs, en effet, si vous voulez casser quelque chose, diviser le Hirak, et s'attaquer à quoi ils s'attaquaient à cet espace de raison. Oui, on pourrait parler ils aussi ont échoué à briser sur la place de la République en France l'espace des réseaux. Oui, puis ça a été. Alors, je voudrais juste vous annoncer que Karim et Ousmane, comme on est en direct, on est à la maison, a souhaité revenir pour une petite intervention. Je voulais juste vous dire qu'il est avec nous. Est-ce qu'on peut lui dire? Et Renan lui donne la parole tout de suite, ça ne vous dérange pas? Très bien. J'aurais bien aimé que vous me disiez non, mais vous ne l'avez pas fait. Mais ce sont des mots importants parce que il y a cette intimidation et les Algériens ont vécu aussi cette submersion, intimidation, tentative de division, ce sont des mots qui font partie de cette révolution, mais le peuple est toujours là. Karim Naït Ousmane, rebonsoir. Rebonsoir Chabel, merci de m'avoir encore redonné une chance pour m'exprimer, et ça ne m'étonne pas que DID ait donné son accord pour me redonner la parole, parce que tu as toujours été quelqu'un de très galant, mais en fait j'ai souhaité intervenir encore une fois pour écarter une incompréhension, parce que DID tout à l'heure, en essayant de revenir sur ce que j'ai dit, a dit que Karim a dit que la rue va revenir, mais la rue n'est pas un projet, c'est-à-dire sortir le retour du Hirak en soi n'est pas un projet. Ben oui, tout à fait, bien sûr, la rue n'est pas un projet, sortir dans la rue, manifester n'est pas un projet, mais justement en parlant des moyens, je rappelle que actuellement c'est le seul, et je dis bien le seul et unique moyen pour faire fléchir ce régime. C'est-à-dire le retour de la rue sera la première condition justement pour commencer à aller vers un travail politique, parce que même si l'un ne va pas sans l'autre, de toute manière. Voilà, même si tous les partis politiques actuellement en Algérie travaillent ou font quelque chose, ça n'aura aucun effet parce que le régime les a discrédités et ne les entend même pas. Donc c'est seule la rue peut faire fléchir ce régime. Après, pour la solution, elle est claire. Une fois que le retour, que la force, la contre-force à ce régime sera dans la rue, là, il faudra aller vers un pacte national, et comme je l'ai dit aujourd'hui, avec deux portes, une porte d'entrée, une porte de sortie. Une porte de sortie dans une négociation historique, un pacte historique qui va permettre à ceux qui tiennent ce régime de sortir dans la Silmia, avec des conditions politiques qui vont être négociées et tout ça, mais bien sûr aussi une porte d'entrée qui va permettre à une nouvelle classe politique qui porte les aspirations du peuple, qui représente les aspirations des Algériens, d'accéder quand même d'accéder déjà au pouvoir, d'accéder pour jeter les bases des institutions de l'État de droit. S'il n'y a pas le peuple dans la rue, si le peuple ne revient pas, même si le retour du Hirak n'est pas une fin en soi, mais si le Hirak ne revient pas, on ne pourra rien faire. Parce que ce régime n'écoute pas les partis politiques. Merci Karim Naït Ousmane. Vous pouvez rester avec nous pour écouter. Mais effectivement, mais c'est à la fois la rue, c'est la base aussi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Pour écouter, c'est juste pour. Mais pour écouter, c'est-à-dire pour vous garder, il est 19h46 et je voudrais juste vous faire réagir juste sur juste donner une information. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc, est passé par l'APS, il ne s'est pas exprimé, donc il est en colère, il n'est pas content de l'action du gouvernement, à en croire donc la dépêche, au ton particulièrement sévère, selon lui, il doit prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité. Un président qui avait dit clairement que le Hirak était béni et que c'est une journée aujourd'hui importante. Je ne voudrais pas prendre trop de temps pour vous lire tout ça. Ce que je voulais dire par rapport à d'abord à ce cas, c'est, dit comme vient de le dire Karim, je souscris en effet. Parce que ce qu'il faudra faire ensuite, c'est évidemment le Hirak doit revenir, pas dans ses formes anciennes, mais sur des thématiques politiques claires. Mais ces thématiques doivent être travaillées, la société doit être travaillée. On est nombreux ici à avoir appelé à la
constitution de corps intermédiaires, d'appeler les barreaux, les ordres des architectes, de former cette élite, cette classe moyenne de l'Algérie, débattre du projet Algérie. Alors, il est 19h47, vous allez terminer ensemble. Juste une question, comment... Il y a des marches, les Algériens, quand ils peuvent sortir, sortent. Il y a tout de même des collectifs, il y a une coordination de la diaspora autour du Hirak, il y a différents collectifs sur Paris. Selon vous, quelles seraient les solutions demain, indépendamment de la rue, bien sûr, de sortir et de marcher. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut que l'opposition puisse travailler une véritable alternative crédible. Je reviendrai sur une chose. Le commandement militaire a l'ensemble des leviers, à la fois politiques, et ils sont maintenant constitutionnels. Ils sont constitutionnels. Moi, je m'interroge, quel projet a le commandement militaire pour l'Algérie ? A-t-il un modèle sur lequel il s'inspire ? J'en vois pas. On n'a ni changé de modèle économique, ni changé de modèle de gouvernance. Un régime hyper-présidentialisé, l'armée qui intervient dans tous les secteurs d'activité publique. Un article 87 bis qui acte l'extinction de la vie publique, académique, associative et politique. Et je termine sur ce que vous venez de dire à propos de monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune déclare à l'APS qu'il a eu un ton sévère pour ses ministres, etc. C'est un remake de 2008 quand monsieur Bouteflika a dit « mes ministres sont incompétents ». Or, maintenant, la compétence, il faudra la chercher ailleurs. Est-ce que le pouvoir qu'il est censé incarner... Il ne faut pas oublier qu'il est là depuis, il est là depuis 3 ans et demi. C'est quand même lui qui a les pleins pouvoirs. Je veux dire par là, le pouvoir n'est pas incarné, le pouvoir présidentiel n'est pas incarné. Et moi, j'ai eu à dire sur ce plateau que nous avons une administration qui s'est autonomisée de l'État. Elle a mangé, grignoté des pans entiers de compétences à l'État. Ça, c'est deux. Troisièmement, juste, et je termine, pour vous dire que l'administration, elle est un peu étativore, comme je l'ai souvent appelé. Regardez tout simplement les circulaires signés par les doyens, invitant les jeunes filles, les jeunes hommes de ne pas s'offrir des cadeaux le jour de la Saint-Valentin. Où est l'État ? Brahim Younsi, c'est vraiment 15 secondes dans la liste des reproches présidentiels. On rappelle qu'il est là depuis le 12-12-2019. Il passe par l'APS, le président de la République, et il dit clairement, il parle d'échéances très élastiques en parlant de ses ministres, des chiffres approximatifs, des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques. C'est pourtant lui qui est au pouvoir depuis 3 ans. D'abord, je veux me corriger d'une certaine manière. Je ne retrouve pas le mot « solution » tout à l'heure quand j'ai parlé de la pataphysique d'Alfred Jarry. C'est les solutions imaginaires. Voilà. Tebboune est dans les solutions imaginaires et on le voit à travers les propos que vous... De l'APS, il passe par l'APS. Oui, mais il passait par l'APS. Ouais. Bon, c'est clair. Je rebondis sur ce qu'a dit mon ami Idir, sur la centralité, plus que la centralité de l'armée. Et j'ai le sentiment, et c'est plus que le sentiment, que, comme disait Mao Zedong, comme on dit aujourd'hui, Mao Tse-tung, que le pouvoir était au bord d'un canon de fusil. Bon, il a été un peu corrigé ou atténué l'expression, modéré l'expression, Franz Fanon qui dit « le pouvoir n'est pas au bout du canon d'un fusil, mais il est dans la possession d'un fusil ». Et cela me ramène à penser que nous sommes, nous singulièrement, dans une espèce de tribalisme moderne ou de modernisme tribal. C'est toujours ceux qui sont les porteurs dans les sociétés tribales, c'est toujours les porteurs de fusils qui gouvernent. Et vous connaissez les trois catégories, les lettrés, les porteurs de fusils, les guerriers, et les tributaires, les esclaves, etc.
Voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir central qui est le porteur du fusil, et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui commande. Merci Ibrahim Younsi, analyste politique du MDA 82-88. Merci d'avoir été avec nous, analyste politique. On vous retrouve ce week-end. Karim Neitou Slimane, écrivain, analyste politique anciennement à l'université, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami, mon confrère Jamel Din Benchenouf pour l'édito. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Bonne soirée.